Pour commencer, j'adresse toutes mes condoléances à la famille Mortier et à toute la Guinée, parce que Elias Sokouna était une personnalité vraiment sociale, et une personnalité étatique. Et c'était lui le Kountigui de la Basse-Côte, le Kountigui de la Guinée. Et il s'est beaucoup battu pour la paix, pour la tranquillité, pour le développement. Et aujourd'hui, Elias Sokouna n'est plus. Il est décédé. Et c'est vraiment regrettable pour nous. Et parce que ce qu'il faisait, le rôle qu'il jouait dans la société était vraiment important. Et nous sommes venus pour faire ce témoignage. Surtout nous, les autorités de la transition, le rôle qu'il a joué, qu'il était en train de jouer pour la paix, pour la culture, et pour que cette transition se termine dans les très bonnes conditions, c'était un rôle vraiment qu'on ne peut oublier. Donc nous, autorités préfectorales, on ne peut pas rester sans venir témoigner ça à sa grande famille. Et nous avons profité en présence de tous les sages de Basse-Côte qui sont vraiment dans la désolation. Nous sommes venus leur consoler, leur confier leur fils et le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, une fois de plus. Leur demander d'encadrer le président de la République, le conseiller, le mettre sur le bon chemin. Nous avons demandé à toute la Guinée de rester en rang serré derrière le président général Mamadi Doumbouya, qui a perdu son père aussi. Vous l'avez vu tous quand il a pris le pouvoir. Elias Sokouna a été la première personne à qui il s'est confié. Donc Elias Sokouna était le père vraiment de notre président. Donc aujourd'hui, nous sommes tous derrière les sages de Basse-Côte, la population de Basse-Côte. Et nous étions venus pour faire nos bénédictions et pour que Dieu, le Tout-Puissant Allah, l'accepte dans son paradis. Ce qu'il a fait du mal, nul n'est parfait. Nous demandons Dieu que Dieu lui pardonne. Et ce qu'il a fait de bon pour la Guinée et pour sa famille, nous prions Dieu que Dieu l'accepte dans le paradis. Et je clôture pour dire à toute la Guinée, adresser mes condoléances à tous les citoyens guinéens, particulièrement ceux de Doubreka. Condoléances les plus attristées au nom du gouvernement, au nom du président de la République. Elias Sokouna, on ne peut pas finir de parler d'Elias Sokouna. Et l'enterrement est fixé, je sais bien que ça sera officialisé par la voie la plus autorisée.